C'est un sujet qui inquiète de plus en plus, à cause de la guerre en Ukraine dirigée par la Russie depuis février 2022. Les Français pourraient bien manquer de gaz cet hiver. En effet, la France pourrait bien connaître une pénurie sans précédent et cela fait plusieurs semaines que les politiques demandent aux Français de faire de nombreux efforts en réduisant au maximum leur consommation. Un sujet qui inquiète vivement et que de nombreuses personnalités commentent. C'est le cas notamment de Jean-Paul Rouve. Invité au micro de RTL ce samedi 17 septembre 2022, il est revenu sur la guerre en Ukraine et a confié « Je suis heureux qu'il y ait l'Europe. L'OTAN. Il faut se battre pour ça et, si cet hiver on doit baisser le chauffage d'un degré. Ce n'est pas très grave. » Des propos qui n'ont pas plu à tout le monde. Ce lundi 19 septembre 2022. Cyril Hanouna est revenu sur le sujet et il en a profité pour s'en prendre vivement à l'acteur, il parle de trucs où il ne comprend rien. Il est hors sol à commencer par déclarer l'animateur de Touche pas à mon poste. Mais Cyril Hanouna ne s'est pas arrêté là. Il a ensuite ajouté qu'il recommence à faire les tuches. Qu'il ne nous fasse pas séhacher, quel abruti celui-ci, lui, je n'accroche pas. La dernière fois il m'a mis une cartouche dans Paris Match ou je ne sais quoi. Alors je l'ai appelé. Je lui ai dit, t'as un problème? Il me dit, non, non, je t'aime. Et après il m'a remis une cartouche. En tout cas, il va avoir chaud quand je vais le croiser. L'ancien compagnon d'Émilie s'est ensuite montré beaucoup plus virulent envers le réalisateur de la saga Les Tuches, il est CN comme une bête. Virgule Jean-Paul Rouve, je le connais bien. Ce n'est pas un modèle d'intelligence. Une situation tendue pour les deux meilleurs ennemis. En effet, depuis plusieurs mois maintenant, la relation ne cesse de s'envenimer entre les deux hommes, pour moi, les donneurs de leçons. Ce sont les pires et Jean-Paul Rouve, ça a toujours été un donneur de leçons. Comme d'habitude. Si Jean-Paul Rouve avait du courage, ça se saurait, avait notamment déclaré Cyril Hanouna sur le plateau de TPMP en décembre 2021. À bon entendeur.